Bonjour à vous, si vous nous rejoignez à l'instant, on était justement en train de dire que les conditions de jeu étaient parfaites. Un ciel dégagé, des tribunes qui se sont remplies, une magnifique ambiance, une pelouse presque parfaite. Bon, je vous épargne le bulletin météo complet, je me permettrai juste d'ajouter que c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce match et de vous remercier pour votre fidélité. Merci. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche, quel plaisir d'être là. Éclairez-nous, Darren. Vous voyez qui comme homme du match? Pourquoi pas Di Maria. Il est capable de réaliser des passes impossibles avec sa patte gauche. Il a un talent fou. Ça ne m'étonnerait pas qu'il offre une passe décisive ou même deux dans cette rencontre. Di Maria, c'est divin. Oui, je suis plutôt d'accord. Ok, c'est parti. Keane. Kimpembe. Rafinha. Youssouf. Qui récupère ce ballon. Kasri. Il relance côté droit. Ce contre peut très bien aller au bout. Debuchy. Le ballon dans la profondeur. Romain Mouma. Le ballon dans la... Et la tête. Mais il manque le geste décisif. Il y avait du monde dans la surface là, c'était une belle occasion. Florenzi. Coup franc pour le Paris Saint-Germain. Oh, ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. Marco Verratti. Baker. Rafinha. C'est un bon ballon. Il peut y aller. Oh but. But pour le Paris Saint-Germain. Et premier but pour le Paris Saint-Germain. Voilà typiquement le genre de joueur qu'il faut surveiller en permanence. La passe était millimétrée, elle lui arrive dans les pieds, il termine l'action comme il sait le faire, c'est génial. Quelle belle entame après cette ouverture du score dans les premières minutes. Il allonge vers l'avant. Et il cède sous la pression. Florenzi. Di Maria. La AS Saint-Étienne qui utilise ses latéraux quasiment comme des ailiers. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre? Sans doute un peu des deux, Grégoire. Non seulement ils peuvent combiner avec les joueurs de couloir, mais en plus ça oblige leur adversaire direct à redescendre d'un cran. Plutôt malin. Rafinha. La bonne passe. Voilà une bonne occasion de contre.
Il s'impose physiquement dans ce duel. Kazri. Oh, le bon ballon! Romain Amouma qui cherche à construire. Il récupère le ballon. Il joue en retrait. Kazri! Oh, ce ballon perdu aurait pu leur coûter très cher. Rafinha qui a donc offert un but à son coéquipier. Oh, la frappe! C'est repoussé! Rafinha. La faute est sifflée. Florenzi. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ils mènent donc 1-0. La passe dans la profondeur. Ce sera un centre. L'interception, c'était chaud. Un grand dégagement le plus loin possible. Di Maria. Florenzi. Florenzi, bien servi sur le côté. De la tête! Ah non, il n'a pas complètement réussi son geste. Le Paris Saint-Germain pousse pour marquer. Il y avait du monde dans la surface. On est passé tout près, là. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Oui, il y avait bien faute. Youssouf. Peut-être une occasion pour Romain Amouma. Kazri. Joli tir, ça méritait d'aller au fond. Eh ben dis donc, c'était chaud. C'est la fin de la première période, certains joueurs ont l'air fatigués, la pause va leur faire du bien. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart, rien n'est donc joué dans cette rencontre. Et c'est le coup d'envoi, encore 45 minutes. Un seul but d'écart, mais ça suffit à leur bonheur pour le moment. Kazri! Oui, c'était bien dans l'idée, mais la passe n'était pas assez précise. Di Maria, Rafinha, long ballon dans le sens du jeu. Oh, c'est bien joué. La longue passe, il peut en profiter. Bonne interception, il y avait danger. Oh, que ça va partir vite. Youssouf, la relance côté droit. Il enchaîne les dribbles, il est passé. Le centre est parti. Et c'est intercepté. Eh bien, sauf erreur de ma part, c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense, dans l'axe. Ils sont quasiment toujours passés par les ailes. Dans la profondeur. Keane. Oh, le cadeau. Romain Amouma. C'est joué long, c'est dangereux. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Keane. Kazri. Youssouf. Oh, voici Romain Amouma. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre? Il mène, mais toujours pas d'occasion dans cette deuxième période. Grosse occasion! Ça peut faire mal! L'AS Saint-Étienne qui tente de belles choses là,
L'horloge tourne, mais il ne faut pas baisser les bras. Non, c'est bien vrai. La frappe ! C'est dégagé, très loin. Avec Verratti. Ander... La tentative ! Un long ballon vers l'avant. Voici Anthony Modeste. Le jeu repart vers la droite. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Il décide d'allonger le jeu. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Marco Verratti. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. C'est joué long. Ça manque de finition, tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. La passe est précise. Bien joué, ça. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Bien, la profondeur. C'est bien donné. Il reçoit le ballon. Oh, il y a danger. Là, il peut centrer. Et ce ballon devant le but. Attention, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. C'est osé. Ça joue long. Attention, dans l'axe. Il frappe. On s'arrêtera là. Ils ont tout tenté pour arracher l'égalisation jusqu'aux dernières secondes de jeu, trahies par leur manque d'efficacité aujourd'hui. Et ils assurent l'essentiel avec la plus petite des marges. Le plus important, c'est que la victoire est au bout. Disons qu'on reste un petit peu sur notre faim quand même. Après une bonne première mi-temps, les défenses ont pris le pas sur les attaques. Merci Darren Tulette d'avoir passé ce moment avec nous et merci à vous.